Salut, aujourd'hui nous allons parler de la ménopause. C'est quoi la ménopause? Tout d'abord, la ménopause est une période importante de la vie d'une femme. Elle survient entre 45 et 55 ans. Donc, la ménopause correspond à la fin de la période reproductive de la femme. Elle est marquée par l'arrêt des règles, ainsi que par la cessation de l'ovulation et de la sécrétion par les ovaires des hormones sexuelles. Estrogène et progestérone. Mais il y a aussi la ménopause prématurée, c'est-à-dire la ménopause qui arrive avant l'âge. Une femme commence sa vie avec une quantité déterminée d'ovocytes, des cellules sexuelles femelles. Or, la ménopause n'est pas déclenchée au moment où tous les ovocytes ont été utilisés. Lorsque la ménopause survient avant l'âge de 40 ans, elle est considérée comme prématurée. La ménopause prématurée peut survenir spontanément ou encore provoquée par une maladie, des médicaments, une chirurgie ou un traitement en radiothérapie ou chimiothérapie. Par exemple, l'ablation chirurgicale des deux ovaires provoque la ménopause. En revanche, l'ablation de l'utérus ne suffit pas pour provoquer une ménopause car les ovaires continuent à produire des estrogènes. Mais fait quand même cesser les règles, donc vous ne réglez plus. Alors, quels sont les symptômes de la ménopause? Premièrement, les menstruations irrégulières, bouffées de chaleur et sueurs nocturnes, perturbations de sommeil, troubles d'humeur, baisse de libido, sécheresse des muqueuses, vieillissement de la peau, cheveux plus secs et bien d'autres. Alors, le traitement hormonal. Bien, le traitement de la ménopause. Depuis plus de 50 ans, il existe un traitement hormonal substitutif de la ménopause. Cependant, ce traitement permet de compenser l'insuffisance des sécrétions ovariennes d'estrogènes responsables de troubles à court et à long terme. Il est efficace sur les symptômes de la ménopause et sur la prévention de l'ostéoporose. Le traitement hormonal de substitution de la ménopause ou THS est en priorité destiné aux femmes qui subissent des effets indésirables importants comme les bouffées de chaleur, comme ce que j'ai expliqué avant, des douleurs articulaires et les sécheresses vaginales. Alors, que faire pendant la ménopause? La ménopause est une étape naturelle de la vie, dans la vie de la femme. C'est l'accepter, avoir un régime quelconque, même alimentaire. Si vous voulez traiter vos sécheresses vaginales, vous le faites, mais il n'y a pas de traitement pour finir la ménopause parce que c'est comme ça, c'est naturel et c'est obligatoire pour toutes les femmes. Les hommes ne connaissent pas ça chez eux, ça ne se passe pas comme ça. Chez la femme, ça se passe comme ça. Vous ne pouvez plus avoir des enfants